Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo du TSV Challenge. Si tu ne sais pas ce qu'est le TSV Challenge, c'est un challenge que j'ai démarré la semaine dernière et qui va durer jusqu'à la fin de l'été, où l'objectif c'est de transformer sa vie, d'améliorer son quotidien, d'améliorer ses habitudes, étape par étape, parce qu'en réalité c'est les petites actions qui peuvent changer notre quotidien. Aujourd'hui je voulais vous parler de livres parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne déjà, que j'aime beaucoup lire, et surtout il y a certains livres qui te permettent vraiment d'évoluer en tant que personne, et je le crois sincèrement. Il y a plein de livres qui m'ont fait comprendre comment fonctionnait mon cerveau, qui m'ont fait extrêmement bien, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, etc., etc. Je trouve que quand on prend l'habitude de lire, ça peut vraiment avoir un effet bénéfique sur nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres de développement personnel et des livres de productivité aussi, soit que j'ai lu, soit dont j'ai énormément entendu parler en bien. Est-ce que je vous parlerai pas de votre mission de la semaine dès maintenant ? Chaque semaine, je donne une mission pour que toi aussi, tu transformes ta vie pendant le TSV Challenge. Ta mission de la semaine, ça va être de choisir un livre que tu vas t'engager à lire pendant le TSV Challenge. Mon petit conseil, c'est de te fixer un objectif de 5 ou 10 pages par jour. Si tu fais 10 pages par jour pendant toute la durée du TSV Challenge, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 plus 29. Si tu t'engages à lire 10 pages par jour à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du TSV Challenge, tu auras lu environ 420 pages. Donc c'est une super performance. Et même si tu fais que 5 pages, ça veut dire que tu auras environ 200 pages. Donc ça correspondra tout à fait à certains livres que je vais te présenter aujourd'hui. Moi, je vous dirai cette semaine sur Instagram quel livre je lis, pourquoi et comment je le trouve. Donc aujourd'hui, si je te présente plein de livres de développement personnel, c'est pour te donner des idées pour pouvoir réaliser ta deuxième mission. Je vais commencer par les livres que j'ai déjà lus, comme ça je vais pouvoir t'en parler facilement. Le premier livre de développement personnel que je trouve assez simple à lire et assez accessible, c'est celui de Léna Situation, tout bêtement. Alors il est plus adapté à un public plus jeune, je trouve, donc si t'es par exemple à la fin du lycée ou que t'as tout juste 18 ans, si vous êtes un peu plus vieux et que vous avez déjà lu du développement personnel, c'est forcément des conseils que vous aurez déjà vus. Si vous démarrez tout juste en développement personnel, il est cool, il est simple à lire, moins de 200 pages, donc vous pouvez tout à fait le finir d'ici la fin du TSV Challenge. Un autre que j'ai trop aimé et que je trouve également hyper accessible et qui va complètement droit au but, c'est Les clés de la réussite de Tim Johnson. 38 outils et astuces pour devenir ce que vous voulez être. C'est ce livre qui a inspiré le TSV Challenge. Comme vous pouvez voir, j'ai pris plein de notes. Je trouve qu'il est hyper simple à lire. Il va droit au but. Il donne des outils hyper simples. À chaque fin de chapitre, tu as un petit exercice à faire, à réaliser pour te permettre de passer à l'action. Je trouve que le livre est très pragmatique. Il va pas partir dans des concepts hyper compliqués de développement personnel ou de spiritualité, tu vois. Il est hyper accessible pour ceux qui débutent. C'est pour moi, c'est juste les bases du développement personnel. Si tu appliques ce qu'il y a dans ce livre au quotidien, normalement, c'est quasi sûr que tu vas avoir une amélioration dans ta vie. Là, on va parler un petit peu plus d'introspection, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau et de la partie 2 qui s'appelle la guérison des 5 blessures. Donc la partie 1, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est chez ma maman, vu que c'est ma mère qui me les a prêtées. Mais si jamais vous n'avez pas trop d'argent, sachez que la partie 1, donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, est disponible en livre audio gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Lise Bourbeau elle-même. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais en gros, voilà, chacun a des blessures dues à des traumatismes et ces blessures nous font adopter un certain comportement en société qui parfois ne correspond pas à la personne qu'on a envie d'être. Donc elle explique tout ça, quelles sont ses blessures, d'où elles viennent et aussi comment les soigner pour arrêter de vivre en réaction à des traumas et de vivre tel qu'on a envie de vivre, tout bêtement. Franchement, ces deux livres, ils m'ont un peu foutu des claques, vraiment des claques très fortes, mais qui étaient nécessaires et qui m'ont fait comprendre plein de choses sur mes comportements. Si vous vous sentez prêt à vous lancer dans une introspection forte et à faire face à vos traumas, c'est un livre qui est parfait pour ça. Ensuite, on en a un qui est très connu qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est en gros l'explication de 4 règles que tu peux suivre au quotidien. Et si tu les suis, tu vas transformer rapidement ta vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. La première partie, donc la partie avant les 4 accords, ou la partie un peu introductive qui met le contexte, est un petit peu longue, je vous l'avoue. Mais les 4 accords en eux-mêmes sont pertinents. C'est vraiment 4 leçons de vie qu'il faut apprendre pour améliorer sa vie.
Il y a un autre livre, je l'ai fait sur ma Kindle, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Comme son nom l'indique, une manière de devenir riche. Mais en vrai, le titre est grave trompeur parce que au-delà de devenir riche, c'est vraiment un livre qui t'explique la loi de l'attraction de A à Z, en fait, tout bêtement. Alors lui, il l'explique dans un contexte de devenir riche et d'attirer l'argent à soi, mais une fois que t'as compris comment attirer l'argent à soi, tu peux mettre « Réfléchissez et devenez ce que tu veux » et appliquer la même méthode, ça fonctionne. Le livre est assez vieux dans mes souvenirs. Attendez, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement. Et parfois, ça se sent dans sa manière de dire les choses. Genre, il y a une partie sur le couple qui est très hétéronormée et très la femme à la maison, l'homme qui travaille, tu vois. Mais un peu... On sent que le livre est sorti il y a longtemps quand même. Mais les lois qu'il explique et sa façon d'utiliser la loi de l'attraction est toujours valable. La Miracle Morning de Hal Herold. Bon, celui-ci, je pense qu'on ne le présente plus. C'est le mec qui explique comment, en se levant plus tôt le matin et en mettant en place certaines actions, on peut se motiver comme Jaja pour la journée. Comment aussi le matin a une influence sur tout le reste de notre journée. Et comment faire en sorte que, justement, nos matins soient top pour que nos journées soient top. Et si toutes nos journées sont top, ben notre vie sera top. Pendant le TSV Challenge, il y a une vidéo qui est prévue sur la routine du matin. Donc voilà, j'ai trop hâte. On passe au livre que j'ai pas encore fini ou que j'ai pas encore lu. Il y a Le pouvoir du moment présent de Eckhart. Je crois que ça se dit Eckhart. Eckhart Tolle ou Tolle. Alors c'est un livre qui t'explique justement comment plus vivre dans le moment présent. Parce que même si on vit au jour le jour, tout le temps on pense au passé, au futur. Et du coup tout ça fait qu'on ne vit plus le moment présent et on n'apprécie plus sa vie dans le moment présent maintenant. Du coup il explique comment plus vivre au moment présent. Qu'est-ce que vivre au moment présent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment un guide d'éveil spirituel. Et je ne l'ai pas fini tout simplement parce que il est dur à lire. Je vais pas vous mentir, il est dur à lire, c'est des concepts qui sont, même s'il les explique très bien, c'est des concepts qui sont très nouveaux pour quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre dans la société dans laquelle on vit. Parfois, il me fallait 2-3 minutes pour process un peu ce qu'il venait de dire. Attends, ça veut dire que toute ma manière de fonctionner d'avant, c'est pas comme ça que ça marche, et en fait, ça veut dire ça, et ça, ça veut dire ça. C'est beaucoup. Je pense que je le reprendrai plus tard parce que il y a d'autres livres que j'ai envie de finir qui sont plus accessibles pour moi pour l'instant. Mais ça reste un livre qui est essentiel, je pense, un jour ou l'autre dans sa vie quand on se lance dans le développement personnel, tout bêtement. Pour un niveau plus avancé, on va dire celui-ci. Comme par magie de Elizabeth Gilbert, qui est un livre sur la créativité et sur comment vivre une vie plus créative, comment arrêter d'avoir peur d'être créatif et arrêter de penser qu'il n'y a que les artistes qui ont le droit d'être créatifs, qu'on peut être créatif dans sa vie du quotidien sans vivre de l'art ou de choses comme ça, on peut juste être créatif pour le plaisir en fait. Et justement quand tu es créatif et que tu laisses exprimer ta créativité pour le plaisir sans forcément attendre quelque chose en retour, sans forcément t'attendre à être bon, bah juste ça enchante un petit peu ta vie, ça illumine ta vie au quotidien. C'est le livre que je suis actuellement en train de lire. J'ai lu quasiment une centaine de pages et c'est déjà un énorme coup de cœur. J'adore sa manière de présenter les choses. Vraiment, je le lis avec extrêmement de plaisir. Ce livre a déjà inspiré une des vidéos du TSV Challenge qui sera dédiée justement à la créativité et comment la développer. Je vous spoil un petit peu ce qui arrive, mais en même temps, je suis trop genre... j'ai trop hâte. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gournel. Ce que l'on croit peut devenir réalité. Je l'ai pas du tout encore lu, je l'ai pas ouvert. Il est assez court, je crois, il fait moins de 200 pages, donc pareil, très bien pour le TSV Challenge. En gros, c'est sous forme de roman, donc c'est sous forme d'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui part en vacances à Bali. Et à Bali, justement, il va rencontrer un guérisseur qui va lui dire qu'il est en bonne santé, mais qu'il n'est pas heureux, et il va lui apprendre comment être heureux, il va lui transmettre sa sagesse, et ça va bouleverser sa vie et sa façon de voir la vie. Donc apparemment ça parle pas mal de justement de loi de l'attraction, donc j'ai hâte aussi de lire celui-là, surtout que c'est sous forme de roman, donc ça change et ça peut peut-être le rendre plus accessible justement si c'est un peu tourné sous forme d'histoire. The Power of Habit, ou en français le pouvoir des habitudes. Donc, attendez, je sors le résumé pour pas vous dire n'importe quoi. Il t'explique le pouvoir des habitudes, comment les habitudes fonctionnent, comment créer de bonnes habitudes et casser les mauvaises. C'est les petites actions du quotidien qui font qui nous sommes. Donc, c'est nos habitudes qui nous créent en tant que personne. Si tu fais du sport tous les jours,
où on va te considérer comme quelqu'un de sportif, tu vois. Et apparemment, c'est un livre où il y a quand même beaucoup de sources scientifiques. Donc si vous êtes quelqu'un qui a besoin encore de beaucoup de logique scientifique dans ses lectures, peut-être qu'il sera plus accessible pour vous. Le suivant, c'est toujours dans les habitudes, c'est Atomic Habits de James Clear. Pareil, très envie de le lire celui-là. C'est un livre qui explique que pour changer sa vie, il faut changer des petites choses. Et c'est en changeant petit à petit ses habitudes qu'on transforme sa vie. Donc forcément, les livres dont je parle là, c'est des livres que je n'ai pas lus, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Si jamais vous en avez lu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, ça peut être hyper intéressant. Can't Hurt Me de David Goggins. Comme ça qu'on se dit Goggins, oui. Pareil, il me fait de l'œil. C'est un mec qui a eu une enfance horrible, genre pauvre, abusé physiquement, racisme également, je suppose, dépression, etc., etc. Du coup, c'est un livre où il raconte son histoire et explique comment il a fait face à tout ça, tout bêtement, et comment transformer son mental parce que tout vient de la tête. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, un livre qui nous pousse forcément à nous améliorer en apprenant à lâcher prise et à s'en foutre un petit peu plus de tout et à oser être soi-même. J'aime bien le pitch en tout cas de celui-là. Et également à faire face à nos peurs, nos défauts, nos incertitudes en arrêtant de fuir et d'éviter les choses. The War of Art de Steven Pressfield. Donc là, c'est un livre sur la créativité, mais aussi un petit peu sur la productivité et comment faire face aux obstacles qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Oui, voilà, c'est ça. Comment traverser les obstacles de la vie, les obstacles de ton ambition et comment du coup passer à l'action au lieu de ne rien faire parce que tu es bloqué par tes peurs. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est un livre cette fois de plus de productivité également, mais je me dis que ça peut être intéressant de le lire avant votre année scolaire qui arrive pour peut-être justement travailler plus facilement l'année prochaine. Deep Work de Cal Newport. Donc c'est un livre qui t'apprend tout simplement à travailler en profondeur, donc c'est-à-dire travailler avec beaucoup de concentration, sans distraction, et faire du coup des séances de travail qui soient beaucoup plus approfondies. Et c'était le dernier que j'avais à vous conseiller, donc il y avait pas mal de livres dans cette sélection, je sais, mais c'était pour vous donner un petit peu un panel qui soit assez large et que vous trouviez un petit peu votre bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous a le plus chauffé parmi tous ces livres, lequel vous intéresse le plus, dans lequel vous allez vous lancer pour réaliser votre mission. N'oubliez pas de me partager ça sur les réseaux sociaux et moi dans la semaine, sûrement en story Instagram ou en post, je vous partagerai lequel j'ai choisi moi de lire pendant cette période du TSV Challenge et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. J'essaierai de vous partager régulièrement moi qui suis en train de lire, comme ça on se motive tous ensemble. Voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du TSV Challenge. Pensez bien à faire votre mission et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.